Inter Climat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Merci d'être avec nous sur Bâti Radio, toujours en direct du salon Interclimat, le mondial du bâtiment, troisième jour. Et je suis bien accompagnée, un beau plateau, puisque j'ai quatre invités. Alors, c'est la société Hiro System. Donc, je vais commencer par présenter les deux directeurs généraux, qui sont mariés et femmes d'ailleurs. Honneur aux dames, Hiromi Fernando, bonjour. Bonjour. Ensuite, Rangika Fernando, bonjour. Bonjour madame. Donc, vous avez créé Hiro System, on va en parler dans quelques instants. À ma droite, Thibaut Duc, bonjour, vous êtes coordinateur logistique. Exactement, bonjour à tous. Et à ma gauche, un peu stressé, mais ça va bien se passer, Brice Buval, bonjour. Bonjour. Vous êtes technico-commercial, sédentaire. Alors, vous allez aussi nous expliquer ce que vous faites dans quelques instants. On va commencer avec Hiro System. Hiro System, c'est une entreprise donc familiale que vous avez créée il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années à peu près. D'accord. Et vraiment, l'idée, c'était de créer cette structure familiale dans les énergies renouvelables. Donc, vous êtes mariés, vous travaillez chacun de votre côté, puis vous vous êtes dit quoi? Bon, bah, si on travaillait ensemble dans Exactement, les... Exactement, on s'est dit, partons à l'aventure. Et, ouais. Et ce fut une aventure depuis toutes ces années. L'idée, c'était vraiment de faire l'entrepreneuriat et de créer quelque chose. Donc, c'est ce qu'on a fait. Créer justement quelque chose qui soit utile déjà pour nous, ouais. Mais aussi pour nos clients, pour nos partenaires et toujours être en coordination avec les nouvelles technologies, les nouvelles réglementations et accompagner le client pour être en conformité jusqu'au bout en protégeant notre petite planète Terre. Alors justement, on va expliquer ce que vous faites. Vous êtes fournisseur de systèmes de climatisation, c'est ça? Nous sommes distributeurs dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est CVC, froid commercial, froid industriel. Mm-hmm. Et en même temps, dès le démarrage de la société Hiro System, nous avons créé notre propre laboratoire. D'accord. Pour réviser, pour calibrer, pour étalonner les appareils de mesure qui ont un lien direct avec avec la réglementation. Vous êtes basé à Aulnay-sous-Bois, c'est ça? Exactement. Nous sommes basés à Aulnay-sous-Bois pour le siège, pour le siège et l'agence, première agence. Et ensuite, on vient de créer une deuxième agence dans le sud de la France et on a deux autres filiales à l'étranger. D'accord. Où ça, à l'étranger? Au Maroc, à Agadir, et ensuite à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Je connais bien Agadir, c'est magnifique en plus. C'est joli. Le site de production, c'est où? C'est en France? Les sites de production, nous travaillons principalement avec les industriels européens basés en Italie, en Espagne et au Portugal. D'accord. On essaye de ramener et de faire travailler pas mal d'industriels également en France. Oui. Et nous avons également un industriel de taille, une société allemande qui est basée également en France, qui est la société Testo, avec qui nous avons un partenariat très solide sur la France. D'accord. Donc vous, j'imagine que vous travaillez au siège, à Aulnay-sous-Bois. Thibaut, vous, alors vous êtes coordinateur logistique, c'est ça? Qu'est-ce oui, que exactement. Vous faites et où vous travaillez? Alors on est tous basés sur Aulnay-sous-Bois. D'accord. Et du coup, ma partie, ça sera vraiment le suivi des déchets, toute cette partie en fait réglementation qui est très cadrée. Ouais, parce que vous êtes obligé de récupérer les fluides, les déchets. Enfin, on est obligé de les ramener, de les récupérer. C'est des produits qui peuvent être très nocifs pour la planète. Et du coup, il faut vraiment avoir un vrai cadre légal dessus. Ouais. Et nos clients, ils ont beau avoir en fait une formation dessus. Nous, on est vraiment là pour les accompagner et leur apprendre les nouvelles réglementations parce que s'ils ont une formation il y a 10 ans, ça évolue, tous les ans ça évolue. Et alors vous, Brice, vous êtes donc technico-commercial sédentaire, donc vous accompagnez les clients, c'est ça? C'est ça, ouais. Dans leur projet, ils ont un cahier des charges et moi je trouve des solutions pour répondre à leurs besoins. D'accord, du coup j'imagine en cette période un peu compliquée pour tout le monde, vous êtes encore plus présent pour les rassurer, ouais, c'est ça. Pour les accompagner. Un petit mot peut-être justement sur ces fluides, il y a des nouvelles réglementations, on sait que ces fluides, bon, ils dégagent beaucoup de CO2, hein. Ils ont une grosse empreinte carbone, on doit petit à petit les remplacer, c'est facile pour vous de le faire? Pour nous, on ne peut pas dire que c'est facile parce que nous sommes obligés de s'adapter par rapport à la nouvelle réglementation, F-gaz, la réduction
de gaz à effet de serre. Donc nous sommes obligés de travailler avec nos partenaires industriels, d'être accompagnés avec l'État, avec les organismes de contrôle via nos connaissances avec le laboratoire qui a presque 15 ans maintenant. Nous avons anticipé ce changement dès le démarrage d'Hérosystème malgré la petite taille de la structure. D'accord. Structure familiale, mais nous avons toujours essayé d'être en amont et trouver une solution pour pouvoir respecter toutes ces réglementations. Donc il y a 15 ans, vous saviez déjà qu'il allait avoir une transition écologique. Alors, sans vraiment le savoir, c'est vraiment d'apprendre à se réadapter, ouais, au mieux aux réglementations. D'être agile. Exactement. Ouais. Qui arrive très rapidement en plus. Alors vos clients, qui sont-ils? Qui fournissez-vous? Nous avons trois couches de clientèle. L'artisan qui est tout seul, qui n'a pas beaucoup de ressources, qui doit être accompagné. Ensuite l'installateur qui est un peu plus structuré, mais ils ont quand même besoin d'être accompagnés. Et ensuite, la troisième catégorie, ce sont des exploitants nationaux comme Dalkia, oui, Engie, Vinci Energy, qui sont les clients de longue date. Et également, ces grandes structures ont besoin d'être accompagnées malgré leur grande taille. Donc, du coup, tout le monde a besoin des produits, mais également un accompagnement sur la partie réglementation. Du coup, ça fait beaucoup de travail pour Brice. Exactement. Vous accompagnez tous ces profils de clients ou, Moi, c'est plus les artisans, ouais, et les installateurs. Ouais. Qui sont en plus très touchés par l'inflation, par la crise énergétique. Exactement. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, hein, parce qu'ils sont hyper impactés. Le prix des matériaux, il y en a qui ont des chantiers à l'arrêt. Enfin, nous, en tout cas, on les rencontre. Hein, et c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux. Ça, vous le ressentez aussi, vous, Brice, peut-être qui parlez avec eux au quotidien. Ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont un peu... Est-ce qu'ils ont... Ils gardent espoir ou, Ils gardent espoir. Après, ils sont souvent stressés. Ouais. Souvent, ils ont besoin des délais. Et les délais annoncés, ils sont... Trop long, ouais. Ouais, ils sont assez effrayants quand même. Ouais. Puis Brice a cette capacité de calme et d'être posé qui permet en fait au final aux clients d'être rassurés. De rassurer, oui. C'est vrai que quand on a quelqu'un de stressé au téléphone, exactement, c'est encore plus stressant. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est un problème qui est rencontré par beaucoup de nos confrères également. Donc le délai, donc les délais ne sont pas respectés toujours. Via nos partenaires industriels, on arrive toujours à dépanner, à être au service du client et on essaye toujours de trouver une solution à apporter pour que le client soit satisfait. Oui, satisfait, au moins rassuré. Rassuré. Thibaut, vous les voyez du coup, les clients, comment ça, ou pas du tout? Oui, parce qu'en fait, à l'agence, on a un comptoir, ouais, on a un collègue à nous qui travaille au niveau du stock. Et on est plus tard à se relayer, à descendre pour l'aider. On voit les clients qui viennent en direct en disant voilà, trouve une solution, il me faut un produit pour telle ou telle situation, j'ai tel problème. On essaie d'aller au moindre coût parce qu'ils ne peuvent pas forcément dépenser plus, ouais, qu'ils n'avaient prévu au début pour leur devis. Bien sûr. Et puis leur trésorerie est très impactée en ce moment aussi. Il y a moins de trésorerie forcément. Donc c'est vrai que ce n'est pas une période évidente. Est-ce que ça se ressent sur l'activité? Ça s'est un petit peu ressenti cet été. C'est ce qu'on disait tout au long d'Interclimat avec pas mal de nos clients et nos prestataires avec qui on discutait sur le fait que ce mois d'août a été assez étrange. Vu les chaleurs, on attendait une explosion en termes d'activité, ce qui n'a pas été le cas, ce qui est le cas en septembre. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Parce que normalement, les autres années, c'est quoi? L'activité en été est assez soutenue? C'est toujours un peu le jackpot. On ne sait jamais exactement ce qui se passe. C'est le mois qui est hyper difficile à prévoir. D'accord. Donc ça peut très bien marcher, comme parfois on a des mois d'août assez calmes. Ouais. Et cette année, au final, malgré la chaleur au rendez-vous, ça a été un peu en dents de scie. Et ça, vous l'expliquez comment? Est-ce que c'est à cause des nouvelles réglementations, enfin, des nouvelles lois, du climat, de la transition écologique? Tout simplement, je pense que les gens sont partis en vacances. Oui, aussi. Parce qu'il y a eu quand même un climat anxiogène avec, ouais, le Covid les deux années précédentes. Donc, je pense que vraiment, les gens ont eu besoin de souffler. De couper. Hein. Exactement. Et vous, du coup, vous n'avez pas coupé cet été? Si, on a tous un petit peu coupé. Oui, il faut couper. Ouais, c'est important de couper. Là, vos projets dans les mois, l'année à venir? Nous sommes en train de travailler sur le sujet des tracts déchets, justement, qui devient obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Oui. La réglementation, elle est claire, mais il n'y a pas de solution. Donc, on est entre les organismes de contrôle
et aussi le client final. On est entre intermédiaires, donc nous sommes en train de chercher à notre humble niveau les solutions. Mais même, je pense, les gens qui émettent ces réglementations ne nous donnent pas plus de détails pour pouvoir trouver des solutions. Donc, nous sommes Vous êtes un peu seul au monde. Exactement. Alors qu'il y a l'obligation, il faut faire quelque chose et parfois on est perdu. Donc on essaye de trouver des nouvelles applications, investir donc sur ce type de sujet, éventuellement proposer quelque chose à nos clients. Parce qu'on n'a pas... on n'a pas envie sincèrement d'abandonner nos clients. Ouais. Ah. Bah oui. Il ne faut pas qu'ils ressentent la même chose que nous ressentons. Il ne faut pas que ça se répercute sur les clients. Exactement. Le fait d'avoir une structure familiale fait que du coup les clients sont hyper proches et cherchent justement, on en parlait avec Brice, cette humanité quelque part qui fait que ça devient vraiment des partenaires au-delà du mot client. Donc familial, vous travaillez tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui travaillent avec vous? Oui. Je vois les têtes autour. Oui, vous êtes nombreux. J'ai Indouma, mon frère, qui travaille avec nous depuis maintenant 7-8 ans et qui a justement développé tout ce laboratoire qui permet le service, qui est vraiment au cœur du service, avec le partenariat Testo. D'ailleurs, il n'est pas là parce que, justement, il est en train de promouvoir, et ça fait partie des projets aussi, d'agrandir ce service, d'augmenter vraiment ce partenariat avec Testo et de garder ce lien qu'on a avec les clients qui ont absolument besoin d'avoir la calibration et le tonnage de leurs appareils de mesure. On sent vraiment que c'est important pour vous la relation client. Hein. Exactement. Ouais. Sans les clients, on n'est rien. Donc on doit apporter le service, on doit apporter le meilleur produit et tout en respectant les nouvelles normes et puis la protection de notre planète qui est en train de réchauffer et souffrir avec nos erreurs, avec nos bêtises. Oui, oui. Vous êtes combien de collaborateurs chez Eurosystem? Nous sommes à peu près 12 personnes chez Eurosystem aujourd'hui. D'accord, et du coup les postes vont de quoi à quoi? Donc il y a les responsables d'agence, il y a également responsables logistiques, responsables laboratoires, les commerciaux, et donc nous gérons tout ça comme une petite famille bien soudée. Bon. Et votre présence sur le salon, du coup, c'est la première année que vous participez à Interclimat en tant qu'exposant. Vous étiez déjà venu avant? On était venu en tant que visiteur, mais jamais en tant qu'exposant. Et là, cette année, pourquoi avoir décidé d'exposer pour présenter justement là, ce dont vous parliez tout à l'heure, vous faire connaître? C'est un challenge aussi pour Eurosystem. Ça fait 15 ans, il faut savoir avancer jusqu'à 15 ans, jusqu'à maintenant. Donc, on n'a pas voulu faire trop de publicité. Il y a des acteurs majeurs donc, sur ce segment de marché. C'est un marché fermé. Il y a très peu de place pour les indépendants. Et les indépendants, si nous sommes motivés, on peut aussi apporter quelque chose de solide, quelque chose, une pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. Il n'y a pas que les grandes sociétés qui peuvent le faire. Également, à notre humble niveau, je pense que nous sommes capables aussi de faire quelque chose. Tout le monde a sa place. Exactement. Thibaut, un petit mot sur l'ambiance du salon. C'est très bien organisé. C'était bien déroulé au niveau du montage. La désinstallation se passera très bien aussi. C'est bien indiqué. C'est vrai que c'est bien indiqué. Hein. Ouais. Ouais, et les clients arrivent à bien se repérer quand même. Après, nous, le matin, vu qu'on est vraiment au centre, ça commence vraiment vers 10h où les clients commencent à arriver parce qu'ils visitent tout le début du salon. Oui. Mais après, en journée, il y a vraiment du monde jusqu'au soir. C'est indiqué, il y a de la restauration. Donc non, c'est vraiment bien installé, bien organisé. Très agréable. Brice, pareil, vous aimez bien. C'est la première fois que vous venez à ce salon? C'est la première fois. Bah, j'y suis déjà allé en tant que visiteur. Oui. Mais là, en tant qu'exposant, c'est la première fois. Première fois, donc une belle expérience. Ça va vous permettre quoi? De voir vos clients, de prospecter aussi? Les deux parties, oui. Donc il y a des clients fidèles qui nous accompagnent et qui viennent aussi nous rendre visite, regarder un petit peu les nouveautés. On a lancé quelques produits innovants, des solutions innovantes. Mais aussi des prospects qui sont intéressés à nos produits, à notre existence. Donc il y a certains clients qui ne nous connaissaient même pas, puisque nous n'avons pas fait de publicité dans les années passées. Et aujourd'hui, donc, ça nous permet d'être visibles et montrer aussi une notoriété et montrer qu'on peut apporter aussi des choses innovantes à leurs besoins. Pour vous trouver, eurosystem.com, c'est ça? Exactement. Ah, un site internet, aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on est très très présent. Sur le site internet, nos clients, nos prospects peuvent télécharger notre catalogue, également nous contacter. Il y a nos coordonnées, donc des différentes agences.
Ils ont toutes les informations utiles et nécessaires, je pense, s'ils veulent commencer à créer des partenariats et non pas juste pour acheter. Eh bien, merci infiniment, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Et puis, c'est très agréable de voir une belle entreprise comme ça, soudée, une entreprise familiale. C'est très, très agréable. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette invitation. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio.